Eh bien, bonjour mes chers apprenants. Aujourd'hui, un kanji fort peu sympathique puisqu'il parle du diable, ma. Alors, en rouge, effectivement, vous voyez, c'est le kanji du diable que j'ai voulu vous identifier. Une seule lecture, on, pas de kun, ça évite de se faire des nœuds au cerveau et on attaque les composés. Alors, tiens, un composé négatif, aku, puisque vous connaissez Waluigi, mélanger aku et ma, akuma, qu'est-ce que ça pourrait donner d'après vous, le double diable? Diable, démon, effectivement, dès qu'on est dans le mal, le négatif, on est chez le diable, le démon. Alors, jutsu, la technique, si vous l'avez reconnu, majutsu, la technique du diable, soit la sorcellerie, la magie. Allez hop, composé suivant. Aussi négatif, le ja. Alors, jama, ça vous l'avez peut-être sûrement entendu au Japon, jamashinaide kudasai. Ne me dérange pas, car en effet, jama, c'est l'obstacle, l'embarras, la gêne, tout ce qui dérange. Terme négatif. Quatrième et dernier composé, la surprise du chef. Quatre caractères, makaze, koikaze, un yoji jugubo, mais c'est surtout le titre d'un roman de 1903, début du XXe siècle, de l'écrivain japonais Kusugi Tengai, l'un des pères du naturalisme japonais. Voilà pourquoi il y avait Zola en photo tout à l'heure sur la vignette, si vous l'avez reconnu. Voici maintenant la couverture du livre Makaze Koikaze, la deuxième partie, Kōran, de Kusugi Tengai. Merci, à bientôt. Continuez de bosser sur les kanji, c'est mon plaisir de vous faire travailler et vous creusez les méninges dessus.